Salut à toutes et à tous, bonjour à vous mes minous et mes minettes et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Rebirth que je vous sers toujours en tant que J12. Pour marquer le coup un peu sur cet épisode, quelque chose d'assez spécial, enfin un jour assez spécial hein, pour moi, vu que j'ai passé mon permis de conduire. Oh là là, ce permis, ça fait 2 ans que je me bats pour l'avoir. J'ai pu passer mon examen blanc, ensuite j'ai pu conduire. Puis là, me voilà avec ce foutu permis entre mes mains. Enfin! Donc, ouais, bon, c'est un peu raconter ma vie. Et puis, je suis sûr, il y a des personnes qui s'en foutent. Mais je vous jure que quand c'est vous que vous passez autant de temps à avoir l'examen blanc et que vous stressez à mort pour avoir le permis de conduire, je peux vous dire à quel point c'est. Oups! J'allais dans ma partie cheatée. Je peux vous dire à quel point c'est quand même. On se sent libéré, voilà. Surtout que bon, maintenant le permis, on te le dit sous 48 heures, hein. On te le dit pas après l'examen, c'est quand même encore plus stressant. Bon, je savais que je l'aurais, alors j'ai pas trop stressé. Mais sait-on jamais. Alors on va commencer une nouille run. Et cette fois-ci. On va espérer aller jusqu'à Eastsleigh et pas faire l'andouille. Bon, alors on commence avec une salle. Somme toute des plus faciles. Hein. Franchement, ils sont encore moins dangereux que les petits cacas, ces ennemis-là. Parce qu'encore, les petits cacas, ils se déplacent plus loin. Ils ont moins de vie aussi, mais ils se déplacent plus loin. Alors on va avoir une clé grâce à cet ennemi-là, on espère. Ah bah non. Il drop pas toujours. Je crois que c'est à cause du hard mode. Je crois. Hein. Parce que non, en normal, je pense que. Il y aurait eu le drop. Non, je. Attends, attendez 2 secondes. Parce qu'il peut y avoir une salle secrète. Hein. Ah bah non. Dommage. Il aurait pu. Faire attention avec ces ennemis-là. On n'est pas pressé, hein. Ouh, hop, 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 hop. Et ils nous font un tir de couverture, ça va pas, ça. Alors on va péter un peu toute la merde qu'on trouve sur notre chemin. Et surtout, on va chercher d'éventuels rochers bleus. Quant à rien, c'est utile ce truc. Pourquoi c'est utile? Parce que. Fuck it! Yeah! Du coup, on peut prendre tous les sous. Ça fait plaise! Oula, attendez, j'allais rentrer dans une salle alors que je remettais mon casque. On va pas le prendre maintenant, hein, parce que regardez, ces flammes rouges, elles peuvent être dangereuses. Oh! Mais pourquoi chercher un rocher bleu quand une salle t'en donne deux? Bah pour en avoir plus. Et surtout, bah ouais, en plus, je viens de me prendre un dégât tout bêtement. C'est je suis malheureux de m'être pris ce dégât minable. Ah par contre, j'aurais pas assez pour reroll une notched pickaxe. En fait, c'est cool comme objet quand tu l'as au début, la notched pickaxe. Heureusement qu'ils tirent à une certaine distance, ces ennemis-là. Vous savez quoi, on n'a qu'une clé, hein. On va aller en boutique. On a beaucoup de pièces. Et en plus, regardez, bim, une autre clé. Si c'est pas joli, joli ça. Le deck de cartes qui est. Enfin. Excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Le deck de cartes, il est pas mal. Bon, allez, on l'achète. The Moon? Ah oh, bah regardez.
Cette carte, elle nous allèche avec une magnifique salle secrète qui en plus va nous permettre de racheter un truc dans la boutique. Que demander de plus? La boutique qui est juste là en plus. What? Ok, c'était une pile et maintenant c'est une carte. Faut vraiment que je re-regarde à quoi sert vraiment cet item. Judgment. Ouais. Allez, s'il te plaît. On y croit. Oui, t'es pas sympa, mon gars. Hein. Moi, voilà. Hein. Ouais, non, il est pas sympa, ce type. Allez, on y croit. Oui. Mais non. Bon, c'est pas grave, hein, on aura perdu des cœurs. Ah, le Cube of Meat. Mince. Allez, perds ton cheval. Allez, famine, perds ton cheval là un peu. T'arrêteras de faire spawn. Merde. Il nous a puisé notre vie gratuitement, le... Le machin des villes. Allez, famine. Ok, donc ah bah un rocher bleu. On va tout péter, hein, qui sait. Ouais, bah non. On a juste un cœur bleu de plus. Donc let's go. On aura eu un bon étage. Ah, par contre c'est l'art. Est-ce que ça vaut le coup? Bah allez, pour une clé. On va pas... Ah ouais, par contre c'est pin. Ça laisse supposer qu'on va peut-être affronter The Hunt. Ouais non, en fait je sais pas si on aurait mieux fait de pas aller dans cette arène. Pour une clé, c'est pas worth it. Allez, Pin, meurs. Oh non, pas les Gurglings. Malheur. Oh mon dieu. Ils sont énervants. Ouh. Voilà. Et des sous. Ouais, franchement, c'était le... La reine du pauvre, quoi. Genre... Ah ouais, ils sont comme ça, eux. Ah, il y a eu un petit bug sur cet ennemi. Ah cool, on va pouvoir régénérer nos cœurs. Allez hop. Toi aussi, il meurt. Est-ce qu'il y a un rocher bleu dans le coin? On dirait pas.
Putain, toute la merde qu'il y a dans cette salle. Tous les rochers qu'il y a aussi. Et pas un seul rocher bleu. Ah, allô, Fly. Je prends. Oh mince. Et y a rien en cœur bleu là-dedans. Oh. Déception. En fait, y a pas de rocher bleu tout court depuis tout à l'heure. Ah bah si, regardez. Bim! Un rocher bleu. Et puis. What? Oh le bug! Quand vous activez Notch Pickaxe, que vous ramassez une batterie et que vous appuyez sur l'espace pour l'enlever, ça enlève votre. What? Oh mais non, mais c'est pas juste ça. C'est clairement pas juste. The Devil. Ça nous servira bien à un moment donné. Regardez, en plus juste quand on avait besoin d'un il y a un rocher bleu juste quand on avait besoin de la pickaxe. Évidemment, il fallait qu'un bug nous troll. Mais ouais, je me fais toucher par une merde, c'est quoi le délire? Quel est le fuc? Ah bah alors là, The Devil, hein. Je vous le dis tout de suite. Du damage up contre ces fantômes, ça sera pas de refus. Hop. Et il attaque souvent là le The Hunt, hein. Là j'ai 3 orbitales donc je crains pas grand chose. Alors on a un range up. Ouais. On a le dead cat. On a le necromomicon qui est un bon objet. Donc on va prendre ça. Et on va prendre ça. Ce qui fait qu'on a 9 vies. Si vous comptez bien. On va aller en Curse Room, parce que le rêve est permis. Oh, Strength et The Devil. Mm-hmm. Par contre, je vais avoir peur de la vie que je vais avoir quand je vais revenir dans un étage prochain, qui m'enlèvera la curse. Voyons voir combien il nous reste de vie. Je suis sûr il nous reste un cœur rouge. Ah bah non. Ça va, c'est potable. Par contre, ouais, on est limite en vie, c'est clair. On tue tout le monde. À utiliser dans les grandes salles. Yeah. Y a plus qu'un ennemi, c'est cool. Dans cette grande salle, faut vite casser les TNT avant que les ennemis se dispersent, sinon bah vous en tuerez que 1 voire 0. Ah, c'est pas pour me plaire les ennemis comme ça.
Ah, et moi, c'est en plus un champion. Il y a plus de vie que les autres. Il save uniquement quand il veut. Ah, ça va être long et éprouvant. Voilà, mais on a reçu une clé. Les clés, c'est génial. Alors ici, on a de la merde. Fonce-moi dessus si tu veux. De toute façon, c'est tout ce qu'ils savent faire à part dasher. Ouh. Quelle salle dangereuse. Heureusement qu'on a des orbitaux, hein, parce que mon dieu. Même en diagonale, cela. Là où toi tu peux pas tirer en diagonale, eux ils peuvent te viser. Ah ouh, on se calme, on se calme. Oh, heureusement que j'ai des orbitaux encore une fois, mais. Ils ont trop de vie ces araignées, c'est abusé. Voilà, merci. Mourez, sale bête. J'avais prévu le coup. Oula, il y a de la ville. Ouais, il y avait de la vie. Monstre touffe. Eh, mais j'ai que des objets de barre espace dans cette run. C'est un truc de. Un truc de ouf. C'est pas pour me plaire. Désolé les mouches. J'arrête pas de tuer des mouches. Il y a des mouches gentilles ici. Contract Fombello, ça me sera bien utile. Par contre, je vais puiser avec la bombe que j'ai, je vais puiser le peu d'argent que j'ai. Ah oui, avec le contract Fombello, c'est bien utile, j'ai eu raison de le faire. Du coup, je ramasse un soul heart et il me reste encore des sous. Enfin, c'est pas le contract Fombello, mais c'est le 1 plus 1, vous m'avez compris. Non. Oh. Bon, le bandage m'a sauvé la vie. Truc de malade. J'ai failli me prendre des dégâts à 3 reprises. On va go. The Devil. Punaise. J'aime pas cette attaque. Ouf. Oups, si j'arrête de tirer, ça va pas le faire.
Hé, j'ai bougé, tu peux pas m'avoir. J'ai encore bougé, tu peux pas m'avoir. Il arrêtait pas de faire cette attaque stomp, c'est énervant. Oh, hold on bandage. Maintenant j'aurai. À ce qui paraît, ça donne un drop de cœur bleu plus augmenté. Enfin merde. Krampus, c'est pas toi que je voulais voir. Aïe 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 aïe. Krampus qui me met cher. Ah! Ouf! Allez, meurs Krampus, tu es chiant là. Merci. Par contre, la Krampus Rage, non merci. Cette run, c'est la run spéciale des objets à des objets de barre espace, hein, franchement. Là, j'ai la totale, hein. Je vais tomber sur tous les objets de barre espace inutiles. Vu que là, j'en ai pas trop besoin. Ça va bien m'énerver. T'as de la chance que j'ai rien pour te péter. Comment gérer ses ennemis? Normalement. En ayant de la chance qu'il te troll pas. Se lever assez vite aussi. Non, vous mourrez les petits sacs. What? Ah non, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Dommage que j'ai pas de bombe ici. Parce que j'aurais très bien pu aller chercher ces cartes. Hop, vous crevez, rien à faire. Ils ont juste beaucoup trop de vie, ces ennemis-là, pour moi. Ah merde, ils auraient pas pu péter sur les. Ouh, ça va. On s'en sort. Liberty Cap. Hiérophante! Et The Hermit. The Hermit qui nous permettra d'aller en boutique sans utiliser de clé. Donc on va prendre un cœur et une bombe. Parce que je sais quoi en faire. Hop, 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 hop. On se calme les araignées. Bon, mon personnage est énorme. Ah oui, Liberty Cap. Ok, alors hop. Les petits vers, ils vont vite mourir. Enfin, vite. Pas si vite que ça finalement. Si on peut avoir Magic Mushroom, ça compensera tous les objets d'étage quand on a eu de la merde. Ouh, heureusement que j'ai des orbitales sur cette salle. Parce que cette salle, c'est la mort. Et heureusement qu'il y a des obstacles comme les champignons. Parce qu'il n'y aurait pas d'obstacles. Les larmes, elles seraient arrêtées par rien du tout. Ah, je vous jure que cette salle, c'est l'enfer. Oh popo! Popopo! Je vous le mets dans bien profond. Lui, attendez, je vais attendre qu'il me tire dessus. Oui! Allez, encore un.
Non, mon gars. Yay! Bah, grâce à lui, on a reçu une carte. Non! À cause de lui, on a perdu un PV. Ziam Press. Ouais. Alors, il nous a ouvert la porte, mais j'ai envie de finir la salle. Y'a quoi par là? Rien du tout, sauf. Enfin, rien du tout. Y'a quand même une salle dorée. Daddy Long's Legs! Enfin, un bon item! Pas trop tôt. J'ai commencé à me dire, what? C'est quoi ce run? Non! On prend pas le risque de perdre un dégât dans cette foutue salle. Ça vaut pas la peine. On a une pièce en plus, on peut bien aller. Non. Elle veut pas. Elle veut pas. C'était où la salle où j'avais besoin de. Il y avait deux cartes. Je crois que c'est par là. Puisque je vois une carte sur la map. Ouais, voilà, c'est ici. J'ai plus envie d'avoir. Cette carte là. Two of Diamonds. Ouais, d'accord. Tempérance. Ouais, d'accord, si tu veux. Au final, c'était de la merde. Oh shit. Mais purée, mais pourquoi je vais dans ce sens-là? C'est un champion. Je le redis encore, hein. Les champions, ils m'aiment bien hein, dans ce let's play. Ou alors non, je vais finir par croire que c'est moi qui aime les champions, à force de me prendre des dégâts dessus. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Je me suis pris un dégât sur un champion, faut assumer. Allez, Daddies, fais le boulot. Death. Ouais. Oh, oh, oh. Non. Pourquoi? Pourquoi? En plus, je sais pas pourquoi leurs explosions, ils ont pas. Mais sérieusement? Non, mais non, mais non. Ah, je suis deg. Y a... Ah oui, mais pourquoi j'ai pas utilisé def? Je suis un idiot, moi. Bon, on va quand même... Bah tiens, on va mettre une bombe ici. Le magicien, va te faire foutre. Mais j'ai dit va te faire foutre. On va aller récupérer de la vie quand même, hein, c'est... Ouf, 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 les piques, les piques, les piques, les piques. Ouais, bon, de toute façon. Et attendez, il n'y avait pas des... Des champignons là-bas en haut? Si, est-ce qu'il n'y a pas... De quoi faire péter? Non, on peut en faire péter qu'un. C'est pas worth it. Cherchons des champignons à péter là un peu parce que. Bah, y'a pas grand chose à péter. Oh, merci la machine! Waouh! Regardez comment elle est gentille, elle nous offre de la vie. On s'en fiche pas mal. Ouh. Non, c'est vrai, dans cette salle il n'y avait rien d'autre que des pièces. Bah là, par la salle secrète, je vois pas trop quoi chercher. Hein. Une bombe pour deux bombes. C'est worth it. Toujours. La truc machin chouette. Ah oui, War of Babylon. Ah, enfin, la veuve. Par contre, on n'aura pas de pacte avec le diable, mais on a un objet de pacte, on s'en fout. Le jeu, il est comme ça. On n'a pas de pacte, mais il nous en offre un gratos.
Merci les araignées. Toujours pas de pacte, je vais avoir. Mais oh, mais c'est pas vrai. C'est les flammes qui s'en occupent maintenant. Ah mais ils font tout pour. Merci Dadiz. Dadiz, lui au moins il est sympa. On va péter ces quatre crânes. Attendez, on va changer de salle quand même, hein. Hop, 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 hop. Rien du tout ici. Mais... attendez, d'où je sors ces dégâts? C'est le Liberty Cap? Je crois, je pense, je suis pas sûr. The World. Two Spades, pourquoi pas? Ah, si ça pète tous les crânes. Oh, ça pète tous les crânes. The Lover. Pff, on va garder ça sur nous, hein. Ça nous sera peut-être bien utile. Ok, d'accord. Il me faut des bombes. Mais il est sérieux, lui? Tu es au Space. Pff, des clés. Je vais avoir que ça, des clés. Passez-moi une carte qui me file des bombes, quoi. Je sais pas. Pas bon. Qu'est-ce que j'ai là? Rebo Baby. Ouais. Mouais. Pourquoi pas. Ah merde, j'aurais aimé que ça soit la stopwatch. Mais de toute façon, la stopwatch, je l'ai pas encore débloquée. Donc c'est pas possible. Two of Clubs. Bah enfin. Enfin. Enfin des bombes. Alors. Hop. On va aller voir ce que cachent ces magnifiques coffres. C'était un peu dangereux sur le coup, mais bon, c'est pas grave. Encore des sous. Merci Dadiz. Dis donc, il me sauvera bien la vie, hein. Ce coco. Oh! J'ai eu un truc avec mon clavier. J'ai cru que ma dernière heure avait enfin était arrivée. Mais non, je suis encore en vie. Alors, est-ce que je vais me faire mob? Ah non, c'est ouh, double Dark One. J'aurais dû attendre d'avoir une charge de Necronomicon parce que là. Oh, il m'est passé sous le nez. Aïe 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 aïe. Ouf. Double Dark One. C'est pas bon. Pas bon du tout. Oh, hop, hop, hop. Ah, punaise. Allez. Mais crevez. Ah, il va pas crever, hein. Merde, on va crever comme des merdes. Ah non, 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 fais pas ton brimstone. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est mort. Tant de photos, yeah. Mais j'ai pas de pacte. Je l'aurais bien mérité de toute façon. Vu le nombre de PV que j'ai perdu. Je mérite pas de pacte, c'est clair. Bon, sinon, continuons les étages. Je le sens pas trop pour It's Live. Bon, ici, on va juste utiliser une bombe. Pour The Depth. Ok, d'accord, mais j'ai plein de clés de toute façon.
On est des fous. Ok. Yeah, de la vie. Ah, mais pourquoi je me prends des dégâts sur eux? Voilà, merci Dadiz qui a fait le boulot. Guppy's Head. Bon bah, au revoir Chromomicon. Et bonjour Guppy's Head. Allô, Dadiz? C'est pour quand ton aide? Voilà, merci. Est-ce qu'il y a un rocher bleu dans le coin? Non. Est-ce que ça vaut le coup d'aller par là? Non. Backtracking. Oh. Et regardez ça, bim. On va aller dans cette curse room qui n'est pas overfit du tout. C'est pas grave, on a de la vie à récupérer. Si on se prend pas une salle de la mort. Il faut vraiment le faire pour se faire avoir par ces pics. Oh! Alors. On a encore un The World Judgment. On va te faire péter, toi. Ouais, bof. Ouais, bof. Donc, on a deux The World. Donc, on pourra se faire deux chemins rapides jusqu'à Eastleigh. C'est cool. Je le sens pas trop. Non, je le sens presque pas trop, non. On va assurer le coup. Oh, cette salle. C'était soit tu passes une bombe, soit tu te prends des dégâts. Merci Dadiz. Les miroirs tears. Ouais, allez, pourquoi pas. Est-ce que je vais regretter mon choix? Je ne sais pas. Attendez les gens. Oui! Oh punaise, ça valait tellement le coup! Oh punaise! Oh les gens! Mais Minou, regardez-moi ça! Ceremonial Robes! Oh shit! Oh punaise! Et vu que c'est la dernière boutique, on va mettre tout le restant de nos sous bah, dans notre gagne-pain. Oh punaise, et en plus, c'est un damage up! C'est cool, c'est badass, yeah, j'adore. Et on va se mettre, quoique non, ça sert à rien. Non, 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 non. Pourquoi ils me font, cet objet me faisait rêver. Pourquoi ils me font perdre espoir, ces ennemis? C'est pas gentil. Je vous déteste. Bande d'enflures. Ils ont pas le droit de faire ça. BFF. Non. Vous savez quoi, on n'a pas besoin de BFF.
Ouais, bon, t'aurais pu prendre plus quand même, hein. Ouais, les larmes qui reviennent, c'est pas mal. Merci Dadiz. Oh, regardez-moi ça. C'est marrant. Les troll bombes, ça sert, pour une fois. Suffit juste de les gérer en fait. Finalement, on va se faire mobs avec pas mal de vie. Ça, c'est cool. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas le son du jeu fort dans mes oreilles. Du coup, le pin mob, je sais pas quand il va tomber. Ça peut être une. Ça peut être un malus. Hein? Mais je suis désolé. Hey, il y a. Carton rouge, il y a. Comment dire? Il y a faute là. On m'a pas touché là. Là, y a eu un bug de hitbox avec les larmes là. Je suis désolé, l'ennemi il m'a pas touché, c'est tout. Bon, là, il m'a touché, j'avoue. Mais le morceau de viande là tout à l'heure, il m'a pas touché. Objection. Merci, Mom. Youn lequel? Ouais, bon, The Dev. Maintenant, on a Guiche, qui est un beau boss. Un beau petit boss. Ouais, Tears Up. Pas mal. Sinon, t'as quoi d'autre pour me faire rêver? Gimpies. Est-ce que ça vaut le coup, les gens? On peut s'en sortir sans Gimpies et rien d'autre. C'est pas un bon pacte pour le coup. J'aurais préféré Abaddon. Mais bon, je pense que je l'ai pas unlock comme pacte. Alors, The World. On va aller par là. Je les avais pas vus, heureusement que. Oh, les fourbes! Ah, les fourbes! Bon, c'est bon, t'arrêtes de te cacher? Elles auraient causé ma perte, ces putains de mains. Non, j'ai dit un gros mot! Honte à moi! Je sais pas, c'est peut-être parce que je me sens excité par le fait que j'ai eu mon permis. Je sais pas les gens. Je sais pas mes minous. Je sais pas tout court. Pardonnez-moi, j'ai dû vous choquer. Je me foutrais une baffe tout à l'heure. Non, je rigole. Pas worth it d'aller dans cette curse room. J'ai pas envie de perdre trop de vie non plus. Je rigole, on tombe sur Mama Gurdy. Enfin, je rigole. Je suis plutôt malheureux, plutôt. Ouais, parce que quand même, Mama Gurdy. On va aller là-bas. Et on a eu un Soul Heart, ça c'est cool. C'est cool. Voyons voir quel boss nous avons. The Bloat. The Bloat, non, 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 pas The Bloat. Heureusement que j'ai Dadis Long Legs. Pas The Bloat. Pas The Bloat, non. Non! Pitié, pas The Bloat! Pas The Bloat! Dadiz? Heureusement que j'ai eu Dadiz! Oh punaise! Oh punaise! On a un Evil Up! Cool! Des bombes! Cool! Impact! Wolf Babylon, est-ce que ça sert? Non, dans les deux cas, ce pacte est pourri.
Donc, bah, en avant Guingamp. Malheureux à moi. Ouh, il y a bien moyen de faire quelque chose avec toutes ces cartes. Oh, Joker. On peut s'appeler le combat môme. Oh, la chance. Ah, on le zappe, hein. Moi, je vous jure, on le zappe. Rien à secouer. Là, ce coup-ci, c'est It's Live, donc personnellement, il n'y a pas de cinématique. La chance. On le zappe. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. On le zappe. Tamise Head, pas mal. On va prendre Tamise Head. Et on va utiliser Joker. Qui en plus. Ouais, non. On n'aurait pas dû utiliser The World. Parce que du coup. Là pour le coup, c'est pas. Donc nous voilà pour la première fois dans Sheol, dans ce let's play. Yeah. Alors là, on a des souls à la place d'avoir des cœurs. Génial. Yeah. Ah, par contre, avec My Reflection, ce truc, c'est de la merde. Bon. Non. C'est pas juste. Mais non, t'as pas le droit. Attendez. Attendez, j'ai utilisé The Lover là, non? Mais c'est. Mais c'est pas du jeu! Pour une fois qu'ils me font chier ces ennemis. Mais sérieusement. Bon bah pour battre Satan ça va être coton hein. Mais non! Mais punaise mais. Ah ouais on a un cœur. T'es marrant le jeu. Il est marrant le jeu, il est coquin hein. Bah je vais vous le dire, heureusement qu'on a 9 vies. Hein. Ça nous sert à rien. Ça servait à rien de tomber sur The Fallen. Mais bon, on va quand même pas perdre une vie pour lui. Si on meurt, bah écoutez, on meurt. Hein. Que voulez-vous que je vous dise de plus? The Fallen, c'est The Fallen. Hein. Bah voilà, on meurt du coup, on va pas par là. Bah puis merde. Hein. Ok, il y a Dadis qui attaque tout seul. Hein. C'est cool. Mais punaise! C'est un truc de malade! Voilà, va allez attaquer vos alliés. C'est une bonne chose. De la merde. Bon, il y a 4 husks, mais à part ça, rien de spécial. La salle est plutôt grande, qu'est-ce que je risque? C'est juste des petits boss. Par contre, pourquoi il y a des larmes qui se traînent là? Je devrais ne pas pouvoir enfin, ne pas me prendre de dégâts contre ce boss. Je devrais. Si je m'en prends, bah je m'en prends. Tant pis. Oh, il y a une araignée qui a failli me prendre en fourbe. Ah bah, je l'ai battu, je sais pas comment. Et attention les yeux. D'accord.
Et on affronte The Fallen quand même. Satan est Fallen. Mais genre, quel est le... Bah oui, bah bien sûr, oui. C'est pas drôle sinon. Ouais, va attaquer ton pote, c'est une bonne idée. Punaise. Mais hop. On va pas rester que à Fallen quand même. Il y a bien un moment où... Allez Dadiz, aide-moi s'il te plaît. Mais je me mets devant lui comme un idiot. Allez. Faut qu'on le batte. Parce qu'en plus il charge, mais en plus il est susceptible de faire son laser. Et il le fait souvent là. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah bah oui. Ah bah oui. Tranquille, Satan. Tranquille. Ah, il est tranquille, Satan. Mais merde. Tristesse. J'ai cru, mais merde. Oh, mais c'est pas possible. Oh là là. Bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis. On aurait été jusqu'à chez Ola quand même. C'est nul. C'est nul puisqu'on a même, on a été à chez Ola, mais ça sert à rien vu qu'on a même pas battu Satan. Donc Ouais. C'est plutôt naze. Donc bah, cet épisode sur The Bad Game of Isaac Meminou est terminé. J'espère que néanmoins il vous aura plu. Et bon bah, hype pour mon permis, encore une fois. Donc profitez aussi bien de vos bonnes grandes, enfin de vos grandes vacances. C'était Ijouz pour vous servir cet épisode sur The Binding of Isaac Rebirth. Ciao tout le monde. Et maou.